Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Cassez vu. Allez, embêtez quelqu'un d'autre. Tu n'es pas le bienvenu ici. Va-t'en. Gaveri Jackson. Arrêtez, je vous en prie. Non, ne partez pas comme ça. Je suis des divisions depuis trop longtemps. Nara Chakil. Le sang de ceux que nous appelions nos frères a déjà trop coulé. Tous, sans exception, nous en souffrons. Mais voilà qu'enfin, on nous offre de pardonner. On nous offre de tout recommencer. Faisons la paix avec les croisés. Apprenons à vivre ensemble. Vous ne comprenez pas. Nous devons être forts. Nous devons être braves. Nous devons trouver le courage de regarder en face ceux que nous appelons nos ennemis pour leur proposer notre amitié. Si les croisés sont venus ici, c'est pour mettre fin au combat, pour mettre fin à la guerre, pour que nous soyons unis. Pitié. Nous devons les écouter, pas leur tourner le dos. J'ai besoin d'argent, je vous en prie. Je suis malade et je crève de faim. Non, ne partez pas comme ça. Juste quelques pièces. Un peu d'argent. Je vais vous montrer. Tu parles de paix, mais tes mots sont vides de sens. Non. Pourquoi dis-tu cela? Je détiens la vérité. Tu es un Templier. En effet. Tu es donc un menteur et un imposteur, tout comme ton maître. Où est-il? Que prépare-t-il? Il prépare la paix, j'en fais serment. Il veut mettre fin à tout cela, et il le prouve aujourd'hui. Un chrétien aux funérailles d'un musulman. Il le fait pour parvenir à ses fins. Nous défendons une noble cause. Cette terre se rassemblera sous notre bannière. Oui, par la force. Vous ferez de nous des esclaves. Un mal pour un bien. Non. Tant que mes frères et moi vivrons, vous ne réussirez pas. Il a peut-être blessé quelqu'un. Il faut qu'il arrête de faire ça. Non, ne partez pas comme ça. Juste quelques pièges. J'avais jamais vu personne faire ça auparavant. Eh bien. Hmm.
Evvelki sefer elimizden kurtuldu. Bu sefer kaçmasına izin vermiyoruz. Tu les as vus? Non, mais j'en ai entendu parler. Ce serait donc vrai? T'es croisé à Jérusalem? C'est vrai. Et alors? Ils sont différents des autres. Ils ont de beaux habits et apportent des cadeaux. Il faut les soulager de ce fardeau. Leur campement est près de la citadelle de David, à côté du cimetière. Ils viennent pour les funérailles? Oui, on dirait bien. Parfait, alors on visitera le campement pendant leur absence. J'espère que personne n'est blessé. Va s'attirer des ennuis. Je me demande quelqu'un, j'en suis sûr. Mais qu'est-ce qui lui prend? Je ne vous ai rien fait. Pourquoi vous comportez-vous de la sorte? Très bien, il n'a pas de temps à perdre, celui-là. Anne Tarokan. Il court trop vite. Utilisez la carte que je vous ai donnée et postez des gardes aux endroits indiqués. La procession devrait bien se dérouler. C'est l'enterrement qui m'inquiète. Nos ennemis n'auront aucun mal à se cacher dans la foule. Si vous êtes inquiet, pourquoi ne pas demander à vos hommes de ratisser le site? Notre présence ici a déjà provoqué de nombreuses dissensions. Imaginez-vous comment le peuple réagirait s'il voyait les croisés déambuler sur leur terre sainte. Vous tenez vraiment à assister aux funérailles? Il était notre ami, notre frère. Nous devons l'honorer au moment où il quitte ce monde. Vous m'insultez en parlant de la sorte. Je vais m'exécuter. Je ne veux pas d'ennui. Alors arrêtez de me provoquer et faites ce qu'on vous a demandé. المسؤول عنها.
Qu'est-ce qu'il a à fuir comme ça? Et qu'est-ce qui lui prend? Les enfantillages, ce n'est plus de son âge. Qu'est-ce qu'il fait, cet imbécile? D'infidèles. Les hommes agissent contre la volonté de Dieu. Ils méritent un châtiment exemplaire. La mission semble avoir été couronnée de succès. J'ai beaucoup appris sur nos ennemis. Bien, dis-moi ce que tu sais, et nous verrons ce qu'il convient de faire. Robert de Sablé et ses Templiers sont ici. Ils sont venus honorer la mémoire de Majdadine et assister à ses funérailles. Je vais les y accompagner. Pourquoi les Templiers assisteraient-ils à ses funérailles? J'ignore quelles sont leurs intentions, mais je finirai par le découvrir. Les habitants sont très divisés. Certains voudraient les voir morts, d'autres disent qu'ils sont ici pour parlementer, pour faire la paix. La paix? Je te l'avais dit. Ceux que j'ai déjà tués m'en avaient parlé aussi. Cela ferait d'eux nos alliés. Et pourtant, nous les supprimons. Ne t'y trompe pas. Nous n'avons rien à voir avec ces hommes. Ils semblent poursuivre un but très noble, mais ne reculent devant rien. Du moins, c'est ce que m'a dit Al-Mualim. Et quel est ton plan? Assister aux funérailles et affronter De Sablé. Le plus tôt sera le mieux. Puisse le destin guider ta lame, mon frère. Malik, avant de partir, je dois te dire quelque chose. Parle, je t'écoute. J'ai été stupide. Loin de moi l'idée de te contredire, mais enfin, de quoi parles-tu exactement? Tout ce temps, je n'ai jamais exprimé aucun regret. J'étais trop fier. Mais tu as perdu un bras par ma faute. Perdu Kadar. Tu avais toutes les raisons d'être en colère. Je ne peux pas accepter tes excuses. Je comprends. Non, j'en doute. Je ne peux pas accepter tes excuses car tu n'es plus l'homme qui m'a accompagné dans le temple de Salomon. Tu n'as plus rien à te faire pardonner. Malik. Si je n'avais pas été jaloux de ta réussite, je n'aurais peut-être pas pris autant de risques. J'ai des torts, moi aussi. Non, Malik, ne parle pas comme ça. Nous sommes unis. Nous partageons la gloire de nos victoires comme la douleur de nos défaites. Nous nous sommes rapprochés, toi et moi. Nous sommes plus forts. Merci, mon frère. Repose-toi si tu le souhaites. De nouvelles épreuves t'attendent, Altaïr. Avance rapide vers une séquence plus récente. Ah!
Kime boyun eğmek istiyorsun? Gel buraya. Kime boyun eğmek istiyorsun? Mais qu'est-ce qu'il fait? Hırsızlık yapmanın cezası ölümdür. Nous sommes ici pour pleurer la perte de notre bien-aimé mage Nadine, qui nous a été enlevé trop tôt. Sa mort est pour vous cause de chagrin et de douleur. Mais il ne faut pas, car comme tous un jour nous avons été mis au monde, un jour nous devons tous également quitter ce monde. C'est une loi de la nature, comme le lever et le coucher du soleil. Prenez un instant et rappelez-vous ce qu'a été sa vie et remerciez-le pour tout le bien qu'il a fait. Sachez qu'un jour, vous vous tiendrez à ses côtés au paradis. Vous savez, cet homme a été tué par un hérétique. Nous avons tenté de retrouver le meurtrier, mais malheureusement sans succès. Ces créatures restent tapies dans l'ombre et se gardent de ceux qui veulent les affronter loyalement. Il semblerait que l'un d'entre eux ait voulu se mêler à nous. Sa présence est une véritable offense. Nous le lui ferons payer. Saisissez-le! Qu'ils comparaissent devant nous et que la justice de Dieu soit faite. Seni gözüm kapalı bile yiyemeyiz. Ama hali hazırda kaybettim. Beni yenemeyecek. Sen yapma zeri kahsirin. Beni yenemeyecek. Si vous vous faites remarquer, tuez quelques-uns. Kime boyun eğmek istiyorsun?
Tes yeux avant de te tuer. Tu ne t'attendais pas à ça, on dirait. C'est de la sorcellerie. Pas de la sorcellerie. Nous savions que tu serais là. Nous voulions être sûrs que Robert réussirait à s'en tirer. Alors il s'est enfui. Il faut bien reconnaître que tu as fait échouer nos plans. Et cette fois, tu as bien failli parvenir à tes fins. D'abord le trésor, puis nos hommes. Le contrôle de la Terre Sainte nous a échappé. Robert y a vu une opportunité. Réclamer ce qui avait été volé. Et tirer parti de tes propres victoires. Votre trésor est entre les mains d'Al-Mualim, et nous avons déjà vaincu votre armée. Quoi que tente Robert de Sablé, il échouera encore. Ah, mais maintenant, les Templiers ne sont plus vos seuls ennemis. Sois plus clair. Robert est en route pour Arsouf, où il exposera son plan. Les Croisés et les Sarrasins, unis contre les Assassins. Cela n'arrivera pas. Ils n'ont aucune raison de le faire. Ils n'avaient aucune raison. Mais tu leur en as donné une. 9. Ces 9 victimes que tu as faites, tu les as faites dans les deux camps. Grâce à toi, les Croisés et les Sarrasins ont un ennemi commun, et ton ordre vit maintenant ses dernières heures. Félicitations. Pas 9. 8. Que veux-tu dire? Je n'en ai pas après toi. Je te laisse la vie sauve. Tu es libre maintenant, mais ne t'avise pas de me suivre. C'est inutile. Tu ne le rattraperas plus. Nous verrons. Kaçma boynaymak istiyorsun? Hayır, hayır. Kaçma bana. Hayır.